Voilà, avant de commencer cette vidéo, inscrivez-vous rapidement pour la nouvelle vague de la formation en montage vidéo qu'on a déjà lancée, qui est déjà en cours. Ok. Chégué. Ne parle plus, ça va t'en marquer. Eh oui. Les Camerounais. Que Dieu vous garde. Aboubacar Vincent, je vais te préparer le foléré. Toi, je vais te préparer le coco. Hein? Je vais te préparer le lalo avec le niébé. Bien tapé. Hey, laisse les gens. Hey, mon frère, j'ai vu quelqu'un au stade qui te ressemblait. C'était toi, tu t'es fait vacciner finalement. Je marche quoi sur moi? J'ai le sida. J'ai une famille. Oh! Ouais! Ouais, venez! Y'a quoi? La mère, tu dis quoi? Paul Biya. Je suis la pute de Paul Biya, j'assume. Hein? Femme! En tout cas, faites vos vidéos, vous mettez sous la toile. Si vous mettez sous la toile, c'est pour nous-mêmes. On vous aide à partager. Je suis une pute. Oui, je suis une grosse pute. J'adore sucer, j'adore les chiens. Mamie, oh, on sait. Po. Jusqu'à quand, Seigneur? Hey, ma console, tu entends? Non, c'est pas possible. Quand femme est bête, hein? Mon grand, tu entends ça? Non. Je n'arrive même pas à y croire. Moi-même, je ne crois pas à ça. Ceux qui veulent croire, papa, maman, petite soeur, grande soeur, croyez. Massa, mon frère, comment tu trouves ça? Ça me fait vraiment pitié. Continue. Paul Biya, c'est ça. Qu'est-ce que ça, c'est quoi? Tout ça, c'est le manga, hein? Seigneur, jusqu'à quand? Je suis sage dans le roi. Quoi? Je suis sage dans le roi. Vraiment, mes frères et sœurs, ne confondons pas la liberté au libertinage. Hein. Pour jamais, vous comme d'un migrant ne sera président au Cameroun. Jamais. Mon frère. Aimons nos frères. Vraiment, la mère, aimons nos frères. Et regardez-moi les sages gens comme ça. Vous êtes qui? Vous souffrez, le Cameroun, vous appartient, vous seul. Là. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Longue, tu as quelque chose à dire à propos de ce sujet? Passe. Un seul mot. La paix est bien, les gars. C'est vrai. Vraiment, on est ça nous met notre cœur mal au cœur. Kamto Koekambi, ou Choupo-Moting, ou alors Aboubacar Vincent, ou Clinton Jay, ou alors un autre joueur. Marc, c'est le Cameroun dans son ensemble qui jubile. Pourquoi ne pas donc vivre ensemble comme ces moments forts du football? Point d'interrogation. Ouais, chez maman, est-ce qu'on doit s'exposer ou embarrader un truc comme ça en public? Bah, on a l'air passé du sérieux. Les filles, vous acceptez ce genre de comportement? C'est pas normal. Ouais, ça c'est très bien. Chez maman, arrêtez même de vous exposer comme ça. Tu fais une vidéo, tu te mets tous nus pour bavarder comme ça, c'est bien. Chaman. Regardez maintenant les conséquences. Regardez nos jeunes petites soeurs comment elles s'exposent. Imaginez un peu. Vraiment, c'est malheureux. Vous aimez voir avec les yeux? Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien. Je maîtrise. Donc, mes chers soeurs, changeons un peu de comportement. Vous exagérez. Vraiment, mon frère, exagère. Vous faisiez une très grande exagération. Mon frère. Vous se méprisez des blogueurs. Des blogueurs, vous savez ce qu'on s'appelle un blogueur. Hey, tu parles de quoi? Vous savez ce qu'on s'appelle un influenceur ici au Cameroun? Point d'interrogation. Il y a un blogueur ici, au Cameroun. Qui? Franco Lomignon. Un quoi? Franco Lomignon. Tu dis quoi, mon frère? Que j'ai fait une remarque sur lui parce que je suis en direct avec les blogueurs. Parce que je fais dans le concept que les blogueurs s'utilisent dans mon vidéo. Et tu dis que Franco a fait quoi? Donc je fais le contact de eux tous. Mais la remarque que j'ai fait avec Franco Lomignon, c'est le blogueur le plus simplicité. Je ne comprends pas. Quand tu t'appelles de lui au téléphone, il se prend de toi au téléphone. Dans le très grand simple. Vous comprenez? Maman, on ne comprend pas bien. Mais le type, c'est en crédit des bonnes choses. Et il te fait avec un causerie très simple que
tu te fais dans le à l'aise après avoir se causé de lui. C'est pas possible. Merci beaucoup mon frère. Comment tu t'appelles? Ami Moyo de la Gachi, créateur de la nouvelle concept à Tarakoussi au Cameroun. Je t'écoute mon cher. Et s'il te donne son parole, il se fait dans la réaction de ce qu'il te dit. Est-ce que tu lui fais le demandement de lui? Ouais, ça c'est très bien. Le type, il va me tuer avec les rires. Je ne me comprends pas pourquoi les fans vous se fait un sauvagerie que parfois Franco le mignon, quand je se fais dans ses le visionomie de ses le visionomie et le lecture des commentaires des fans sur ses publications, je me se fais dans un pleur et dans un pitié. Pourquoi? Les fans, comment vous ne se faisiez pas l'encouragement de quelqu'un qui se fait dans le bien, quelqu'un qui se fait le noyage des soucis dans vos cœurs, quelqu'un qui vous élimine dans le AVC? Parce que quand tu te fais dans le fâcherie à chaque moment, que tu n'as pas quelque chose qui va enlever de toi le souci dans le cœur, tu vas te faire dans le mourir vite. Tu vas te faire dans le mourir vite. Mais Franco le mignon veut faire dans la publication chaque jour pour se donner de vous les bonnes informations. Là, il a. Dites-moi pas que c'est pas vrai. C'est vrai. Voilà, bro. Les gars ne savent même pas que je passe les nuits blanches, que je n'ai même pas de sommeil. Continuez. Pour se faire de bonnes vidéos, pour se faire le rire. Mais vous se faisiez des injures, vous se faisiez des moqueries dans ces dans ces publications pour se faire des mauvais commentaires. Est-ce que c'est normal, les Camerounais? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas vraiment normal. Non, c'est déçoit, c'est déçoit, je suis déçu. Respectez ces blogueurs, respectez ces blogueurs. Mais oui, c'est clair. C'est pas donné à n'importe qui. C'est un grand science, hein. Quoi? C'est un grand philosophe que vous voyez ces gens-là se faire. C'est pas que tu te lèves dans le matin, tu te fais dans le blogueur. Hein. C'est vrai. Et c'est le don de Dieu. Ne se faisait pas la jalousie. Ami Moyo, quel est vraiment ton message? Donc, Franco le mignon, moi je te dis de toi merci pour tout ce que tu fais pour le Cameroun. Merci mon frère, merci. Moi, Ami Moyo de la Gachi, je te demande d'aller comme ça en avant et j'aimerais vraiment avoir ton soutien. Ah, ça a déjà commencé. Et j'aimerais vraiment se rencontrer de toi face à face. Pourquoi? Pour se faire le dialogue avec toi. Et je te demande de me faire un soutien par rapport à mon carrière. Parce que je sais que tu es un blogueur très simplicité. Là, il a. Raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Pour te faire d'abord une salutation. Et te donner un encouragement de se continuer dans ton travail. De ne pas se regarder de ce que se fait dans les fans. Dans ton publication avec leur sorcellerie de commentaires. Bon frère, j'ai compris. J'espère seulement que ton français là, c'est seulement pour faire rire. Franco le mignon, une fois de plus, bonne journée à toi, bon dimanche, que le Seigneur te comble de prospérité et t'ouvre toutes les étoiles de la terre et que ton travail se fait dans le succès. Ah ok, merci beaucoup. Mets ton numéro en commentaire, je vais t'appeler. S'abonnez-vous. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.